J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve avec, dans un nouveau weekly vlog. J'espère que ça vous plaira comme tous les autres. J'essaye de vous en faire à peu près un toutes les deux semaines quand je suis motivée. Donc aujourd'hui, on est vendredi et je suis ultra motivée. Donc voilà. Petit make-up tout simple. En ce moment, j'adore faire des make-up roses. Vous l'avez dû le remarquer, hein. Team rose à fond. Et sur les lèvres, une petite nouveauté que j'ai eu dans mon swap avec Ella de la chaîne Ella Rayon de Soleil. Je vous mettrai mon swap quelque part ici. Et c'est un petit duo lip kit comme ça avec le crayon pour les lèvres et le liquide pour les lèvres mat, je pense. Oui, on va dire ça. Qui est très très beau. La couleur est trop jolie. Donc voilà pour aujourd'hui. Mon petit objectif du jour. Allez faire un petit tour chez Yves Rocher, vous savez, là j'ai fait mon temps du coup avec le fond de teint Yves Rocher. Je voulais aller voir s'il y en a d'autres un peu plus clair, parce que celui-là est un chouïa foncé. Il m'ira peut-être bien si cet été je bronze un peu. Donc je voulais aller voir, j'ai une carte cadeau, vous savez, chez Yves Rocher, là, les cartes que vous recevez par courrier tout simplement, avec des petits cadeaux et tout ça, donc je voulais aller les yeuter un petit peu. Et demain, je voulais absolument aller chez Jiffy, parce qu'il faut qu'on commence à aménager notre jardin, etc. Et je voulais aller voir les nouveautés chez Jiffy, donc je pense que je vous emmènerai avec moi et mon mari. Demain, j'ai une séance photo pour Gros Bidon, puisque oui, il est toujours là, petit crapouillot. En même temps, tant mieux, parce que nous sommes le 29 mars, je crois. Et j'ai pas envie qu'il arrive avant avril, donc après avril, je ferai tout pour qu'il arrive, on verra. Du coup, j'ai une séance photo avec une photographe. Donc la box que je vous avais montré sur mon Instagram qui s'appelle la shooting box. Donc voilà, c'est une sorte de duo là comme ça. Donc j'ai hâte d'y aller, essayer de faire des jolies photos pour cette logiquement dernière grossesse. J'ai pas du tout mis de produit dans mes cheveux. Donc si vous voyez des petits cheveux comme ça, c'est normal. C'est parce que ce soir mon mari va me faire un brushing. Oui oui, chez moi c'est mon mari qui me fait mes brushings. Donc j'ai rien, en fait je les ai lavés hier soir et j'ai rien mis dessus pour qu'ils puissent me faire un joli brushing. Mais je les attache parce que sinon j'ai une touffe comme ça. Donc let's go, Yves Rocher. Après je vais chercher mon crapouillot. Cet après-midi je passe du temps avec mes enfants. Enfin quand j'irai chercher ma fille à l'école aussi. Et ah oui, je voulais vous montrer ma dernière réception justement pour mes cheveux. J'ai reçu le Garnier Fructis Hair Food, donc un masque hydratant à l'aloe vera. Ils sont très bons d'ailleurs, ce côté un peu aloe vera comme ça, 98% d'origine naturelle. J'en ai tellement entendu parler. Je déteste ma marque Fructis, hein, je vais vous dire la vérité. J'aime pas trop les produits Fructis, mais celle-ci, on en a entendu parler sur plein de chaînes YouTube. Il y a pas mal de pubs. Beaucoup de filles que je suis et qui sont plutôt produits naturels, etc., l'ont conseillé en disant qu'il était top pour les cheveux. Donc ma foi, ils disent donc vegan, 98% formule biodégradable, testé dermatologiquement avec des huiles végétales mais sans silicone pour un toucher naturel. Donc j'ai hâte de tester sur mes cheveux pour voir un peu ce que ça va rendre. Ça m'intrigue, je sais pas si vous connaissez, n'hésitez pas à me dire si vous l'avez testé et si ça vous a convaincu ou pas du tout. Bon allez, let's go Yves Rocher. Bon, je suis bien passée chez Yves Rocher, j'ai acheté ce petit sac, vous savez, il est en promo avec les cartes et tout, il était à 5 €. J'avoue qu'il est un petit peu cher, mais j'en ai déjà un que j'ai eu de chez Little Marcel, chez Yves Rocher justement, et je l'aime beaucoup, il est vraiment pas mal, et je l'emmène pas mal de fois avec moi, donc je trouve que c'est pratique, donc là je l'ai pris, et puis j'ai acheté quelques petites choses. Donc vous voyez, j'ai acheté que ça en fait chez Yves Rocher. Le shampoing mélangeur, non nuanceur, j'arrive même pas à lire, avec des effets bruns, parce que je me dis que ça peut être pas mal de le tester. Donc pourquoi pas, avec soi-disant la châtaigne, donc bon, pourquoi pas. Et ça j'ai eu gratuit grâce à mes pétales, vous savez, les points que vous avez sur votre carte Rivocherée. Et ça c'était gratuit avec ma carte, voilà, c'était le petit cadeau du moment. Donc j'ai pris la crème pour les mains à la noix de coco, je la connais pas du tout celle-là, donc je vais la tester comme ça. Et celui-ci, ben, comme je voulais le même que j'ai reçu par la marque qui était le zéro défaut, mais il n'était pas dans les stocks en fait. Donc j'ai pris celui-ci, le fond de teint peau parfaite, zéro défaut, mais cette fois-ci je l'ai pris en rosé sans, donc qui est vraiment assez clair et un petit peu rosé, alors que celui-là que j'ai, il est c'est le beige 300, la version confort, et il est un petit peu foncé, même un petit peu beaucoup foncé. Donc je me suis dit pour faire un combo ou quoi, puis en ce moment je suis à fond dans les fonds de teint, donc voilà. Voilà le packaging, tout en vert, il avait l'air pas mal au niveau de la texture, j'ai testé sur ma peau, et la couleur et tout avait l'air pas mal, donc j'ai hâte de tester sur mon visage maintenant. Bon après tout à l'heure je m'occupe de mes ongles, hein. Vous inquiétez pas, pour ma séance photo de demain, je m'occupe de mes ongles après. J'allais oublier de vous dire, en fait, je suis en train de préparer
un énorme concours sur mon Instagram, donc je vous invite vraiment à rejoindre mon Instagram ici avec des produits MAC, enfin un produit MAC, un superbe rouge à lèvres MAC, des produits Mercy Andy, des produits Givenchy comme ceci, des produits Filorga, donc c'est tout ce que je vous ai mis de côté. Je pense que je vais vous faire, là je vais essayer de faire une jolie photo et de vous la poster assez vite sur Instagram. Le concours il va durer je pense un mois ou deux, trois semaines en tout cas, pour que tout le monde ait le temps de voir ce vlog et d'aller sur mon Instagram. Donc n'hésitez pas, j'espère que ça vous plaira. Samedi, comme je vous l'avais vu dans les petites images avant, on a fait notre séance photo avec chérie et pour ma grossesse avec la photographe Sarah. Je vous mettrai ici son nom complet et bien sûr toutes ses coordonnées en barre d'infos si ça vous intéresse. Si vous êtes près de Lille ou à Lille, etc. C'est une photographe vraiment au top, hyper agréable, hyper sympathique. Enfin vraiment, elle nous a mis à l'aise. Enfin, il n'y avait rien à dire. Je pense qu'on même on y retournera la voir. Quand toute la petite tribu sera là, aux 6 mois, 1 an de bébé 3, pour faire des photos en famille, je pense que ça sera pas mal, parce que vraiment, elle était super, et peut-être même faire en extérieur. Bref, son atelier, je sais plus comment ça s'appelle, il est vraiment très très sympa, et du coup, c'est grâce à la shooting box que j'ai pu faire cette séance photo, donc j'en suis ravie. Je vous en ai parlé sur Instagram, je vous ai partagé d'ailleurs une petite photo sur mon Instagram de cette séance aujourd'hui. Et quand j'aurai les photos officielles de Sarah, quand elle va m'envoyer donc les photos officielles, retouchées, etc., avec la luminosité et tout ça comme il faut, je vous les partagerai sur Instagram aussi si ça vous dit. Peut-être que d'ici là, bébé sera arrivé, hein, on ne sait pas. Mais en tout cas, voilà. Et puis, mon chéri, hier soir, m'a fait mon brushing. J'ai ressorti mes petits faux ongles de chez Kissing Press avec la boîte. Je vous en avais déjà parlé dans un de mes anciens vlogs. Avec la boîte, donc j'ai pu faire deux manicures. Donc, voilà. Je vous le dis, hein, au moins quand vous investissez 10 euros dans une boîte de Kissing Press, bah vous pouvez au moins les utiliser deux fois, logiquement. En tout cas, moi, ça a marché. Donc voilà, bon là, il en reste que 10 à l'intérieur, mais je pense que là, ça correspondra plus à la taille de mes doigts. Donc je les donnerai à quelqu'un qui a peut-être des plus petits doigts, qui ça peut plaire. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Bon, bah en tout cas, cette séance photo, c'était top, je suis ravie. Je vais mettre ma batterie à charger parce que comme j'ai pas mal filmé pendant la séance photo, bah voilà. Pour mon make-up, j'ai fait un make-up. Elle m'a dit de faire un make-up nude, pas trop lumineux. Donc j'ai essayé, je sais pas si vous le verrez bien. J'ai essayé et du coup, j'ai utilisé ma palette New Nude de Huda Beauty parce que je me suis dit que c'était des nudes, mais rosés. Comme vous savez, je suis à fond dans le rosé. Voilà, et juste en coin interne, j'ai utilisé quand même un lumineux qui vient de Hawa Studio. D'ailleurs, je vais vous en parler prochainement dans des favoris parce que j'adore. Et sur les lèvres, c'est le Medusa de Huda Beauty. Et mon teint, c'est toujours le Givenchy. Je vous remettrai ma vidéo Givenchy ici si ça vous dit. Donc voilà, pour l'instant, mes coups de cœur, ça reste Givenchy, Huda Beauty, vous l'avez compris. Et Anastasia Beverly Hills aussi, que j'utilise beaucoup. Toujours dans les tons rosés, hein. je me fatigue moi-même. D'ailleurs, sur la photo Instagram, c'est encore du rose. Vous allez en bouffer, excusez-moi du terme du rose. Je sais pas pourquoi, j'adore le rose en ce moment. Avant. Cet après-midi, j'allais oublier de vous dire, cet après-midi, je vais essayer de motiver chérie pour aller à Jiffy parce que on veut trouver des petites choses pour l'extérieur. Donc si j'ai trouvé des petites choses sympas, si j'ai pu filmer, je vous mettrai ça dans le vlog et je vous montrerai si j'ai trouvé des petites merveilles pour le jardin ou pour la maison ou quoi, je vous montrerai aussi tout à l'heure dans la suite du vlog. Coucou à tous, on est lundi. J'ai pas du tout vlogué, je pense, ce samedi ou dimanche, je ne sais plus à quel moment je me suis arrêtée. En tout cas, samedi, on n'a pas été à Jiffy, ni dimanche.
Et aujourd'hui, je vais essayer d'y aller. En tout cas, je vais essayer d'y aller dans la semaine et c'est mon challenge. J'ai absolument besoin d'aller en plus y trouver des trucs, mais c'est juste que c'est difficile de trouver du temps, des bons moments pour pouvoir y aller. Juste dimanche, on a été faire un petit tour en brocante. Le dimanche matin, il y en avait une pas très loin et qui était que le matin, donc c'est pour ça qu'on l'a faite. Et puis l'après-midi, du coup, j'ai rangé des choses dans la chambre de mes enfants. Je vous montrerai d'ailleurs tout à l'heure, j'ai fait... Le dressing de mon fils, en fait, était pas terrible, tout comme les trois quarts des dressings ici. Il y a de l'espace, en fait, pour faire des dressings. Il y a des sortes de placards intégrés, vous savez, des espaces dans les murs. Mais l'intérieur était vraiment mal aménagé, enfin, pas terrible, en tout cas. Donc là, on a tout modifié. Je vous montrerai tout à l'heure une photo avant et puis, du coup, le résultat pour que vous voyez un peu. Donc, j'ai fait ça hier après-midi, après la sieste de mes enfants. Avec le décalage, l'heure en plus, bon, du coup, ça nous a décalé aussi. On était complètement dans le pâté tous, hein. Donc, ma foi, voilà. Et qu'est-ce que je voulais vous raconter? Du coup, le matin, on a fait un petit tour en brocante. J'hésite à vous faire un petit haul brocante, un deuxième. Ou j'attends d'en faire une autre, peut-être, et de vous faire un plus gros haul. J'ai trouvé quasi que des livres. Donc, c'est pour ça que j'attends d'en faire peut-être une deuxième pour trouver d'autres petites choses à vous montrer, à part des livres. Sinon, je vous ferai spécial livre. Hein. C'est pas grave. Enfin, vous me direz ce que vous en pensez. D'ailleurs, si ça vous a plu, ma vidéo brocante, je vous la remettrai par ici. Et aujourd'hui, ce matin, j'ai eu mon dernier rendez-vous chez la sage-femme pour bébé 3. D'ailleurs, nous avons logiquement, avec chérie, trouvé le prénom de bébé 3. Voilà. Bon, je vous en parlerai bien sûr en temps voulu. Mais nous avons trouvé son prénom, logiquement. Je vous ai pas du tout fait de vlog grossesse, bilan, deuxième trimestre, troisième trimestre. Vous avez vu ça à travers mes blabla, mes make-up blabla. D'ailleurs, je vais vous faire un make-up blabla dans la semaine aussi. Je vais en préparer un. Et écoutez, il me reste 15 jours à tenir, je ne sais pas si bébé va arriver avant, mais selon la sage-femme, oui. Sinon, ma foi, tout va bien au niveau de ma grossesse, tout ça, il n'y a pas eu de souci. Voilà, le bilan de ce matin. Donc cet après-midi, lundi après-midi, donc pendant mon fils fait la sieste, je suis pas trop fatiguée, même si j'ai très mal dormi, j'avais plein de choses en tête. En ce moment, je suis assez tracassée. Mais je vous en parlerai dans mon blabla make-up là. Et du coup, je vais faire une lessive. Comme il fait beau, je vais en profiter pour faire sécher ça dehors. Et je vais manger. Comme je vous disais, je voulais absolument aller à Jiffy. Oui, un jour, je vais y arriver. Pour aller voir des petites choses pour l'extérieur ou même pour chez moi. Pour mes rangements, parce que j'ai plein d'idées de rangements. Je pourrais pas faire l'armoire de ma fille tout de suite maintenant, comme vous le verrez tout à l'heure, comme mes garçons. Mais je voudrais lui faire prochainement une belle armoire aussi. Donc pour l'instant, je vais faire des petites bidouilles. Mais voilà, je suis dans le système un peu à la Marie Kondo. Je suis dans le système rangement plus efficace possible pour qu'il y en ait plus rangé dans les placards, mais bien rangé. Et en même temps que ça soit propre et voilà que les choses ne traînent pas. Je vais faire ça aussi dans mon bureau. Donc cet après-midi, j'avais envie de faire ça un peu de rangement dans mon bureau. Je vais tenter et je vais rajouter, demander à mon mari qui me rajoute des étagères, des choses comme ça. Bon, j'ai tout un traficotage à faire, une réflexion à faire. Voilà, je suis en mode rangement. Je sais pas si vous, ça vous arrive. C'est pas parce que c'est le printemps, c'est parce que c'est mon mood du moment. J'ai envie de ranger parce que je sais que quand bébé 3 sera là, j'aurai pas le temps de faire tout ça. J'aurai peut-être moins la force. Déjà là, quand on fait 2-3 travaux, parce que mon mari il est en train de faire l'entrée en fait, refaire le papier peint, la peinture, etc. Quand on fait 2-3 travaux, je vous avoue qu'avec deux enfants, déjà c'est compliqué, alors avec un bébé ça va être compliqué, donc on essaye de faire un max avant que le troisième petit bout arrive, donc voilà. Du coup, d'ailleurs pour le prénom de bébé 3, il y a un peu de changement. Je dis ça, je dis rien, je vous avais dit que nous on voulait trouver absolument un prénom avec un O, et finalement il y a un peu de changement. Bon, et puis aujourd'hui j'ai reçu 3 petits colis dans ma boîte aux lettres, mais je vous en parle sur Insta pour changer un petit peu, pour faire une sorte d'unboxing sur Instagram, dans mon feed, etc. Donc je vous invite à aller m'y rejoindre, il y a une case, il y a une story permanente unboxing si ça vous dit. Et pour la Birchbox, je suis plutôt conquise par celle-ci là du mois de mars. C'est top top top, donc pareil, je vous mets toujours le lien si ça vous dit d'aller vous abonner dans ma barre d'infos, hein, c'est un lien de parrainage si ça vous dit.
mardi aujourd'hui, donc je suis enfin partie chez Jiffy. Oui, vous l'avez vu juste avant, je suis enfin partie chez Jiffy. Extraordinaire. J'ai enfin pris le temps d'y aller avec mon fils ce matin. Il y avait vraiment des choses superbes, mais j'ai craqué que pour l'instant pour un transat et je vais passer une commande sur leur site, comme ça arrivera directement en magasin pour une table de jardin et des chaises. Donc je vous montrerai ça dans une prochaine vidéo, je pense, peut-être un aménagement de ma terrasse. Je vais vous montrer justement ma terrasse, comme elle est vide puisqu'on n'a absolument rien, et je vais installer mon petit transat. Avec ce transat, j'ai trouvé, donc le transat coûtait 39 €, vous allez le voir, et j'ai trouvé du coup pour mettre dessus un petit coussin comme ça à 2,20 € je crois. Voilà, avec le motif un peu comme ça tropical, je trouvais ça trop sympa. D'ailleurs j'hésite à faire l'anniversaire de mes enfants sur ce thème là, parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses sympas à Jiffy. J'ai pris ça pour mettre au centre de ma future table extérieure, mais en attendant je vais le mettre au centre de ma table intérieure, c'est à dire ici, hein, vous voyez où il y a le bazar. Je vais essayer de ranger et mettre ça et mon pot de fleurs dessus. Je me dis que ça peut être sympa, c'est assez joli, c'est une sorte de grand napperon on va dire en plastique. C'était à 3 €. Et pour mes enfants, j'aurais acheté un petit truc que je vais mettre dans leur cadeau d'anniversaire. Un petit chamboule-tout, vous savez, vous mettez les petits pots là, et puis vous lancez des petites balles. Il y a 3 balles, il y a 10 petits pots, 10 petits verres, entre guillemets, en plastique. Donc ça, c'était à 6 €. Donc je sais que c'était un petit cadeau sympa, sachant que l'anniversaire de mon fils est dans à peine quelques jours, et l'anniversaire de ma fille, à peine quelques jours, hein, puisque mon fils est du 5 avril et ma fille du 7. Bon allez, je vais installer mon transat. Même si là il n'y a plus de soleil, c'est pas grave, je vais installer mon transat. Juste pour info, le transat, voilà, plié, il est comme ceci. Il prend pas du tout de place, hein. Enfin il est assez plat, il est grand, mais il est assez plat, il a réussi à rentrer dans ma voiture quand même, qui est une petite voiture. Et voici ma terrasse, hein. Comme vous pouvez constater, il n'y a absolument rien dessus. Elle attend notre future table. Et le transat, vous voyez, je vais pouvoir l'installer ici dans ce petit coin de verdure. Il est bien ensoleillé la journée. Et ici vous avez un jeu pour enfants. Après on aimerait bien mettre aussi une petite table avec les bancs accrochés en bois pour les enfants. Donc on verra ça plus tard. Mais voilà pour l'extérieur. Et voilà, mon transat est installé. Bon, c'est pas tout de suite que je vais utiliser mon transat, parce que je ne sais pas si vous verrez, mais il s'est remis à pleuvoir. Je voulais vous parler 5 minutes, vous savez pas ce qui me suis arrivé, enfin ce qui nous est arrivé, attendez, je me pose, ce qui nous est arrivé là il y a dimanche pendant la brocante, en fait on est parti se balader, ma fille voulait absolument aller dans la poussette, alors elle est plus trop adaptée à sa taille, et puis mon fils voulait sortir de la poussette, donc bon, on l'a sorti parce qu'il voulait marcher un petit peu et on a mis Kayla en attendant entre guillemets dans la poussette histoire qu'elle s'assoie 5 minutes. Et la poussette a cassé. Oui. Alors je pense qu'elle était déjà un petit peu fail. Hein, vous voyez qu'elle commençait déjà à se faire vieille. Comment vous dire cette poussette? Enfin, on l'a achetée pour la naissance de ma fille, donc il y a quand même maintenant bientôt 4 ans. On se les fait voler avec nos voitures. Si vous avez suivi mes aventures et que vous me suivez depuis à peu près 5 ans, il y a donc 3-4 ans, on nous a volé nos voitures, nos deux voitures quand on habitait près de Paris. Du coup, il y avait notre poussette à l'intérieur, donc on avait volé une partie de notre poussette. Il nous restait genre, je crois qu'il nous restait... on nous a tout volé sauf la nacelle, donc il nous restait que la nacelle, quoi. Donc on nous avait volé nos voitures en plus notre poussette, donc on a dû en racheter une. On a racheté la même d'occasion sur le bon coin, parce qu'on n'avait pas les moyens de racheter la même neuve, quoi. Et l'assurance ne remboursait pas grand chose, même les objets qui étaient dans la voiture, bref. Donc vous voyez, ça fait 4 ans qu'on l'a, on a déjà eu des mésaventures entre guillemets poussettes. Et là, elle s'est cassée, c'est-à-dire que les alliages en aluminium qui sont sur le côté, là, les espèces de rambards, on va dire, qui se plient quand vous pliez votre poussette, etc. Eh ben, il a complètement cédé, là. Et ce matin, en fait, pendant la sortie à Jiffy, il a fini. Là, elle est morte. Et je peux vous dire que déjà, quand j'ai vu qu'elle était cassée et tout dimanche, mon mari m'a dit que je vais tenter de la réparer et tout, mais c'est... Vu l'endroit où c'est compliqué, hein. J'essaierai de vous mettre une petite photo ici, mais vous verrez que c'est compliqué. Et du coup là, il a totalement cédé, donc elle a totalement cassé ce matin. Donc
C'est la loose. Honnêtement, j'étais déprimée hier pour ça. C'est pour ça d'ailleurs je ne l'ai pas trop vlogué. J'étais déprimée pour ça. Ça m'a un peu saoulée parce que je me dis que bah, bébé 3, il arrive dans même pas 2 semaines. Et voilà, la poussette, qui faisait cosy, machin, tout ça, nacelle, hein, bien sûr, tout l'équipement, truc bidule. Elle est morte. Donc c'est quand même la mésaventure qui arrive au moment où... Il fallait pas quoi. Je pensais vraiment qu'elle allait tenir pour le troisième. En fait, je me suis dit comme ça, après, voilà, c'est fini, on n'en aura pas besoin. Et du coup, pour le troisième, je me suis dit qu'au moins ça aurait été rentabilisé un petit peu. Mais on n'a vraiment pas de chance avec les poussettes. Je sais pas si c'est votre cas, si vous êtes comme nous, mais on galère à chaque fois. Enfin bon, là, sur ce coup-là, j'étais tellement saoulée. Et au final, hier soir, donc au 1er avril, j'ai reçu un mail. Comment vous dire que j'étais happy? Puisque une marque a bien voulu nous offrir une poussette. Donc c'était genre la big bonne nouvelle. Ça tombait pile poil au bon moment sans le vouloir. Et c'est juste dingue, 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 dingue. Je vous parlerai de cette marque très très prochainement dès que ben, je l'aurai reçue, tout ça, tout ça. Je vous montrerai un petit peu. Je pourrais faire un comparatif parce que j'ai pas 50 milliards de poussettes, hein, mais... Au moins, là, je vous avoue que celle que j'avais achetée, je pense que celle qu'on avait achetée à la base, on l'a payé 400 ou 500 euros de chez Kiko, là, vous savez, la fameuse marque bah, de bébé, quoi. Et bon, mis à part qu'on nous l'a volée, du coup, et qu'on en a racheté une, mais qui était à peu près de la même époque, hein, qui n'était pas plus vieille, elle aura duré que 3 ans, certes pour deux enfants, mais je trouve pour le prix de base, quand même, je sais pas. Vous me direz ce que vous en pensez. En tout cas, hier, j'ai eu une super grande nouvelle. Donc par rapport à ça m'a soulagée parce que je peux vous dire que ça fait quand même 2 jours que je dors pas trop. Pas par rapport au fait que je dois me racheter une poussette, mais par rapport au fait que bébé arrive bientôt, qu'on a eu du mal à trouver son prénom. Enfin, il y a plein de choses qui me tracassaient. Donc je me suis dit ça se rajoute en plus de tout mon bazar. Enfin, bon bref, c'est un instant confidence. Donc voilà. Coucou, on se retrouve mercredi. Aujourd'hui, j'ai mes deux crapouillots et je peux vous dire que c'est du sport. Je ne sais pas si vous, c'est pareil, si vous avez des enfants en bas âge. Mais en ce moment, ils ont une phase où ils se détestent, clairement. Je sais pas, ils sont tout le temps en train de se battre, ils n'arrivent pas à jouer ensemble. Mon fils a décidé de mordre ma fille toutes les 2 minutes. Là, il lui a même tiré une mèche de cheveux, donc je peux vous dire que c'est la galère, quoi. Il va falloir qu'on travaille un peu l'entraide et l'amour entre eux. Mais je sais pas, d'habitude, ils ne sont pas comme ça. Mais là, depuis... une bonne semaine, ils sont vraiment particulièrement infects. Bref, alors je sais pas si c'est le fait que ça arrive bientôt leur anniversaire, qu'ils sentent que l'arrivée de bébé arrive et enfin que c'est bientôt et du coup bah ça les stresse. Honnêtement, je sais pas du tout, hein, il y a peut-être de la psychologie là-dedans derrière, mais voilà. Hier soir, je vous ai pas montré, mais j'ai reçu un énorme colis comme ça d'une abonnée de Mylène. Hein, d'ailleurs, je suis pas maquillée, vous me pardonnerez. De Mylène qui est juste 10 ans, mais je vous ai fait une vidéo séparée. J'ai enveloppé ici. Tous les cadeaux d'anniversaire de mes crapouillots bah pour le 7 et le 9, puisque mes enfants sont nés à 2 jours d'intervalle, mais 2 ans d'intervalle. On verra si le troisième arrive bientôt ou pas. Et je voulais vous raconter aussi, vous savez, au début de ce vlog, je vous ai parlé de ce fond de teint que j'ai eu donc gratuitement au magasin, grâce à mes points Yves Rocher, hein, c'est pas du tout un partenariat ou quoi. J'ai choisi celui-là parmi les produits gratuits que je pouvais choisir, le zéro défaut fond de teint peau parfaite. Je l'ai testé 2-3 jours, dans mes vidéos vous avez dû voir. Mais vous n'avez pas vu le résultat, mais en fin de journée, il est complètement... Comment vous dire? Il accentuait mes zones de sécheresse. Bon, là, il y a le soleil qui décide d'arriver. Il accentuait mes zones de sécheresse, etc. J'avais quelques zones ici, ici. Il partait, c'est-à-dire il se déplaçait en fin de journée. J'ai utilisé 3 fois, je n'étais pas convaincue. Donc là, c'est un flop. J'ai un autre fond de teint de la marque Clinique à tester. Donc je vais le tester prochainement, je vais vous le montrer après. Et j'ai testé du coup cette nuit, vu que j'avais des plaques de sécheresse à certains endroits. J'ai fait un gommage hier soir et j'ai testé ça cette nuit, le Garancia Bal Masqué des Sorciers Bal High Tech Nourrissant Apaisant et Préventif. Beurre, gel, frais, fondant. Vous le mettez 1 à 2 fois par semaine sur le visage en couche épaisse et vous le laissez comme ça votre visage boire. Et honnêtement, ma peau est assez douce ce matin. Elle est particulièrement bien rebondie, je trouve. Là, vous voyez, il n'y a rien du tout. Hein. C'est vraiment naturel. Donc pour une première utilisation, je suis convaincue, c'est celui-ci, je l'avais reçu de la part de la marque il y a très longtemps je crois, je me rappelle même plus quand, mais j'ai décidé enfin de le sortir de mes placards, mais en tout cas ça, gros flop hein, pour l'instant. Voici le prochain fond de teint du coup que je vais tester, c'est le fond de teint hydratant réparateur de chez Clinique, cette fois-ci je l'ai eu en teinte
Ivory CN28, donc je pense que ça sera parfait comme teinte. Ça, je vous le testerai dans une vidéo make-up blabla. Je vais essayer de faire ça cet après-midi. Bon, allez, je retourne voir mes crapauds, mais en tout cas, je suis ravie. Et si ça va pas la teinte, je pourrais le mélanger à un autre Clinique que j'ai qui est un peu trop foncé. Faire un petit mix. Coucou, aujourd'hui on est jeudi, je vous ai pas trop pris hier et aujourd'hui et je pense que je vais vous abandonner même là dans ce vlog puisque déjà ma foi il est pas mal long et puis je me suis dit que j'ai pas mal raconté. Depuis hier j'ai pas mal de contractions, je suis allée à la maternité ce matin parce que voilà, je voulais vérifier que tout allait bien, donc tout va bien mais mon col commence à s'ouvrir donc je pense que c'est pour bientôt. Et du coup je vais arrêter là ce vlog, on verra bien si si bébé 3 arrive dans les jours qui viennent. De toute façon vous serez au courant en premier sur Insta et Facebook parce que c'est là où je poste tout de suite, et puis prochainement sur YouTube je pense, si vous, enfin en tout cas voilà, restez connectés. J'espère que ce vlog en tout cas vous aura plu, mes petites aventures de maman enceinte jusqu'au bout vous aura plu. J'ai hâte de vous lire en commentaire, de vous retrouver toujours dans les commentaires parce que c'est ce qui me fait le plus chaud au cœur, vraiment de vous lire. Hier soir encore j'étais en train de répondre à vos commentaires et je me disais wow, heureusement que vous êtes tous là, c'est vraiment un beau soutien, donc je vous remercie encore du fond du cœur. Je m'excuse pour cette tête de fatiguée mais j'ai pas bien dormi forcément avec plein de contractions etc, j'ai toujours des contractions donc voilà, on fait avec et on est pressé quand même de voir ce petit crapouillot là arriver dans la petite famille. Bon, en tout cas, je vous laisse sur ces belles paroles. Je vous fais d'énormes bisous. Je vous invite à liker, etc., etc., etc. Et je vous dis à très très vite. Salut !